Au nom du Père, qui, papa, qui solo kelo, Charles, du Fils, dit papa, Dialungana Kengani Salomon, et du Saint-Esprit, dit sa divinité. Trois fois disposé sur terre, le Saint-Esprit donc, Tata Kimbangu premier, Tata Kuntima et Tata Kengani. Donc, Tata Kimbangu, Kuntima Kengani, l'Esprit de vérité, le patron de la quatrième et dernière génération, Dieu le Saint-Esprit. Mes chers amis, on est aujourd'hui le premier jour de cette semaine, en ce mois de mars, en l'an 2019, mais on est le 24. Le 24, c'est selon le mode calendaire du pape Grégoire, le calendrier grégorien. Et nous, dans le cadre du Kimbanguisme, aujourd'hui, on est un jour de Mpanga. Mpanga, c'est l'équivalent de lundi. Hein, Lunis Day. Et le mois, c'est le mois, le dernier mois de l'année. Parce que dans quelques jours, nous allons rentrer dans le nouvel an de Tata Kimbangu. Le nouvel an de Kimbanguisme, la nouvelle civilisation, le 6 avril. Et là, le dernier mois où nous sommes, c'est le dernier mois qu'on appelle le Kundi Kyanene. Kundi Kyanene. Et le jour, étant donné que c'est l'équivalent du 24 mars, dans le Kimbangu Muna, donc le mode calendaire de Tata Kimbangu, aujourd'hui, on est, mes chers amis, le 19. Le 19. Non, on est le 20 plutôt, parce que hier c'est le 19. Pourquoi je parle du 19? Parce que hier c'était le 24. Le 24, c'est notre date d'anniversaire. Dans le média de Tata Kimbangu, dans la communication de Tata Kimbangu, parce que sur ce jour-là, Tata Kimbangu deuxième, donc Papa Kuntima Diengenda, le 24 mars 1960, il créa la structure de communication, les médias kimbanguistes, donc les messagers pour une évangélisation divinement inspirée des activités du kimbanguisme ou des actions de Kimbangu. C'était un 24 mars où Papa Kuntima Diengenda remettra la caméra à notre ancêtre dans la communication, son chauffeur en même temps à l'époque, Papa, paix à son âme, Tata Kalamvuila. C'était un 24 mars 1960 est né le média kimbanguiste. Le média de Tata Kimbangu est né le 24 mars 1960. Donc hier, c'était notre anniversaire. Évidemment, vous savez qu'en Kamba, les festivités de l'anniversaire, c'est dans le dure 3 jours. Donc on est aujourd'hui le jour J plus 1 pour les fêtes de nous, les médias kimbanguistes. Parce que le 24 mars 1960, Tata Kimbangu, donc deuxième, Papa Kuntima Diengenda, mettra en place ce qu'on appelle les médias kimbanguistes. Et pour cela, s'il vous plaît, si vous le voulez bien, j'aimerais bien vous remontrer les événements du 24 mars 1960, parce que le corps de Tata Kimbangu, après avoir séjourné 9 ans sous terre, entre 21 et 51, ce corps-là ne s'est pas mélangé avec la boue terrestre. Et c'est ce corps-là est incorruptible. C'est ce corps-là qui est un Kamba. Mais avant de continuer, s'il vous plaît, je vais remonter l'histoire. On va repartir à la date d'anniversaire du Kimongi, des médias Kimongi, donc les médias qui, pour qu'on vive exactement ce qui s'est passé ce jour-là, 24 mars 1960. S'il vous plaît, si vous le voulez bien, merci de votre patience. Le temps de moyens techniques se dispose. Je vais vous mettre dans cette disposition. Suivant. Le 9 mars, ma date d'anniversaire. On est arrivé sur le terrain 9 mars, nous, il y a Congo. Suivant. Là, on est le mercredi 9 mars. Papa Kuntima Diengenda décide d'aller à Lubumbashi. La délégation quitte Kinshasa pour aller à Lubumbashi.
accompagné de Révérend Wazunga, ça Marseille, Papa Nkimu, Révérend Mbaku et Papa Jean Kalamvou, il est donc notre doyen dans les médias qui m'anguissent. C'est notre premier communicateur. C'était donc en cette période-là. Et la délégation même a pris donc le chemin de retour pour arriver à Matadi, Mayo, le 2 avril 1960. Et donc là, le 24 mars, le média Kimbongis est né. Le média qui? Média Kimbongis, donc toutes les structures qui parlent de la communication dans la nouvelle civilisation. Le Kimbongisme. C'était un 24 mars 1960. Et d'ailleurs, en 1992, Papa Koutima Diangenda avait réuni toute la postérité ici de trois voilà pour leur dire que dorénavant, regardez ce qui se passe en Kamba. Après avoir mis à son siège céleste, papa, suivant. Voilà, suivant. Là, on est le 24 mars. Ce corps-là incorruptible. Sur les images, nous voyons la prison de Kasongo où le prophète Simon Kimbangu. C'est notre grand frère de la communication toujours. 30 années durant. Père son âme. C'était la petite cellule de la prison de Kasongo. Et c'est après que vous verrez comment est-ce que le corps du prophète a été exhumé. Du Saint-Esprit, il faut ajuster le maintenant. Prophète Simon Kimbangu, pour qui nous commémorons ce dimanche, puisque c'est voilà, tout le mardi, le 31e anniversaire de sa mort, survenu en 1951 dans sa cellule de prisonnier à Louvain. Regardez ce corps-là, le corps qui tourne là, qui est-ce? Qu'est-ce qui tourne là? Voilà l'individu qui tourne là, l'individu là, c'est qui? Il est en tourbillon, dans l'image il se fait voir. Le destin lui arracha très tôt ses parents et fut élevé par sa tante Kinzembo, devenue adulte. Il cultiva la terre aux côtés de son épouse, Maman Mouilou Marie. On est le 24 mars, s'il vous plaît. 1960. Sa grande Dialunga. Le corps d'Atakimbangu, avant d'en rester 9 ans sous terre. D'études primaires à la mission baptiste BMS de Gombe-Boutété, à moins de 10 km d'Nkamba, où il fut baptisé en 1915. Chrétien modèle, les missionnaires protestants n'hésiteront pas à le nommer catéchiste dans son village. Catalogue. Dans les années 1918, Christ lui apparut et lui chargea d'une mission de plus grande, celle de paître son troupeau. Simon répliqua en disant qu'il n'était pas assez savant pour remplir cette besogne qui relevait des droits aux pasteurs et aux gens plus instruits. Mais Christ insista. Les appels du Christ furent pressants et Kimbangu s'en ira se réfugier. Donc là, c'est la date d'anniversaire de Média Kimbanguiste, les médias. Donc le Média qui? Notre date d'anniversaire, c'était hier, le 24 mars. Comme pointeur, un mauvais sort le poursuit. À chaque jour, les médias. Son salaire était. Média Kimbanguiste, Média qui? Ratel qui? Presse qui? Gazep qui? Kimbanguisme Info? Internet? Tout ce qui est multimédia de Kimbangu. Le Média qui? Voilà dès l'anniversaire, le jour où Papa Simon qui Papa Koutima Diengenda remettra la caméra Papa Kalamvoui là avant de filmer cette image. L'image que vous voyez là, c'est la date de notre date d'anniversaire. Et ses trois enfants restés au village au matin du 6 avril. Simon Kimbangu, alors qu'il s'en allait au marché de Nsona Kiyenzi, accompagné de son fils aîné Kisolokele, fut contraint par Christ de guérir Maman Kantongo, alors agonisante, en lui imposant les mains au nom du Christ. C'était un Kombe Kinsuka. Kimbangu se voit attirer des milliers de gens par son message de l'évangile et ses guérisons miraculeuses. Les gens croient en Dieu, les fétiches sont jetés, les paralytiques marchent, les aveugles recouvrent la vue, les morts ressuscitent. La foule sent la présence de Dieu parmi elles par l'action de Simon Kimbangu. Les morts se font rares, les hôpitaux se vident au profit de Kimbangu. On sent et on a horreur à faire du mal. Ceci se passe au vu même des missionnaires et de l'administrateur Morel qui est descendu en Kamba le 11 mai 1921 pour mener l'enquête. C'est suite aux plaintes des missionnaires qui l'accuseront froidement. Voilà mes chers amis, cette image-là, l'image du 24 mars 1960, notre date d'anniversaire, le kimbanguisme,
dans le cadre de la communication, donc le médiakimongisme, est né en cette date du 24 mars, où Papa Kuntsima Diengenda remet la caméra à notre grand frère et doyen de la communication, Tata Kalamvuila. Hier, nous étions le 24. Mais vous savez que les festivités de Tata Kimongu, c'est sur 3 jours. Et là, c'est la suite logique. Donc, on est le 25 mars. Mais hier, on était le 19. Dans le 19. Qu'est-ce qui doit être célébré dans le 19? Le 19 de Kundi Kanene. Parce que si c'était le 20, c'est 4 dans le calendrier grégorien, mais dans le calendrier de Tata Kimbangu, donc le Kimbangu Muna, c'est l'équivalent du mois de Kundi Kanene. Kundi Kanene, c'est le dernier mois de l'année. Parce que dans quelques jours, nous allons célébrer le nouvel an de Tata Kimbangu. Et ça sera donc l'an 98 du Kimbanguisme. Ou bien l'an 98 du Kimbanguisme. Et là, on est vers la fin de l'année. Et donc, nous allons faire un bilan. Nous, le bilan, on va tirer ici dans le cadre de la communication. 24, donc, Kundi Kanene, 19, ou bien 24 mars. Qu'est-ce qui s'est passé le 24 mars? Nous avons suivi sa divinité hier. Et je vous mettrai la vidéo tout à l'heure. Sinon, allez sur notre compte de Ratelki France TV. Vous trouverez déjà la vidéo, elle est disponible. Et là, je voulais remercier notre grand frère de la communication. Ici qui nous cadre dans le cadre de la coordination de la radio-télévision Kimbanguiste, donc le diacre Lomber Makomi Monsiampa, pour ce travail que nous fournissons dans le cadre de mettre en relation Nkamba et nous. Parce que Nkamba, c'est nécessaire. Nkamba, c'est absolument nécessaire et obligation pour nous d'ailleurs d'être en live, avoir la liaison de Tata Kimbangu. Peut possiblement dans ces différents oracles qui nous aimaient. Parce que son oracle, c'est notre moyen de travail. Son oracle, c'est notre outil de travail. Et donc là, par exemple, hier, il a fait état des événements du premier chef d'État Congo. Et il est décédé effectivement un 24 mars. Je vais parler ici, paix à son âme, son excellence, Joseph Kasavubu. Joseph Kasavubu, on a été choisi. Ils étaient ensemble à Boma. Mvumbi. Je ne dis pas Boma, je dis Mboma. Parce que le terme approprié, c'est Mboma. Ce territoire où nos aïeuls, après avoir pèleriné en Égypte, sont redescendus en cherchant le Ntotila. Ils sont casés là-bas. Le Mvumbi, c'est Mboma Mvumiambi. Et c'est là-bas que Papa Kisoloke, le Dieu le Père, avait décidé d'aller, parce que c'est de leur secret spirituel. Parce que le colon, en le condamnant dans l'intérêt qu'ils avaient, que non, on va faire un lavage de cerveau de Kisolokele, fils premier, donc, notre papa Kisolokele, Lukelo, Dieu le Père. Ils avaient oublié que dans le secret divin, c'était qu'ils puissent s'approcher de ce territoire où les venins, les mboma, les serpents, Anunnaki, les serpents ici de l'Égypte antique, dont la culture occidentale s'était appropriée comme capacité d'action à travers leurs pratiques francs-maçons, Rose-Croix, Maïkari, Catholicos. Toutes ces forces occultes qui étaient venues à l'époque s'appelaient Vivi, c'est la capitale du Congo, le terrain indépendant du Congo. Les Belges, la coalition internationale s'était réfugiée là-bas. C'est là-bas qu'ils avaient fait leur comptoir du contrôle du port où ils envoyaient les âmes des Congo vers l'étranger. Mes chers amis, Papa Kimbangu a fait lire un texte de notre prédécesseur qu'on appelle Jérémie. Le texte de Jérémie nous dit quoi? C'est Jérémie 29, versets 12 à 14. Vous excuserez mon support de quantique, mon support de travail que je travaille avec, et en Congo. Il est dit quoi? Nous allons lire aux trois anciens, Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Kimbangu Kuntsima Kiangani. Buna Luna kuba bombidila. Ye kwenda kusambila. Ye ngina kuluwila. Buna. Silwa kuntomba. Ye kunsolola. Buluna kuntomba. Mutima mieno mianvimba. Kadi.
Ngina soluka kwa beno. Ngina soluka. Kisolokele dialunga na diangenda kuntima. Bazali basa tokati na nzambe moko. Bazaliko ningisa. Mokili mobiba. Masoma kokisama na kombo. Yankolo Yesu mobikisi. Wabiso. Kadingi na soluka kwa beno. Bouvo vele yave. Donc, tategi mangu kiangani. Ngina vutu langkole zeno. Yekulu yonzika. Tuka mumakanda. Tuka mumakanda mamo. Ye vuma biabio. Bi yalukuba. Bi yalulukuba. Bouvo vele tategi mangu kiangani. Ngina kulu vutu la. Kuvuma. Kilwa kala bulayanti bulayanti sankole. Je vais lire dans la langue de Molière pour une bonne compréhension de ceux qui comprennent pas la langue originelle de Dieu, le Kikongo. Je prends mon support parce que c'est la double culture, hein, parce que nous sommes en Occident ici, Bansusu. Je vais lire en Kinsusu. Qu'est-ce que dit Jérémie dans le Kinsusu, en Kinsusu, donc en français, Kinsusu, parce que c'est le coq gaulois, Galinacé, Galo, hein, Kinsusu. Alors donc c'est Jérémie. Notre collaborateur Jérémie, qui a parlé de ça ici, ici, il s'est fait état ici du verset, donc, chapitre 29, verset 12 à 14. C'est mon volume, hein, vous savez que le support là, c'est mon support de travail, en tant que politique. Parce que j'ai un mot politique, la politique qui se loquelait, la politique modèle qui se loquelait. C'est pas la politique animalière des francs-maçons, des rosicréciens, des maïkari, des catholicos, non. La politique, l'homme au centre. C'est-à-dire, t'as dit que c'est le char, Dieu le Père. Alors, il est dit quoi? En verset 13. On a commencé, on va dire 12. Koumiezole. Alors, je lis évidemment au nom 300. Papa qui s'est loqué le papa de Lungana, et papa Kimbangu, Kuntima Kiangani. Alors, vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos demandes. Qui dirait vos prières. Et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi. Là, c'est Tata Gimangu Kiangani qui parle. Hein? Papa Gimangu Kiangani, le chef spirituel et représentant légal du Gimanguisme, patron de la quatrième dernière génération. Il est en Kamba. C'est lui qui a fait que la matière soit. Alors, et vous vous retournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous retournerez, lorsque vous vous tournerez vers moi. De tout votre cœur, Kuntima, Diangenda, tout votre cœur, profondément de votre cœur, eh bien, je me laisserai trouver par vous, déclare Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. Je ferai revenir les exilés, Bankole, les exilés, tous les exilés, c'est-à-dire l'esclavage, la colonisation, l'impérialisme, ceux qui fuient l'Afrique. Par des moyens inappropriés. C'est-à-dire que le nyoka, le serpent venimeux qui crée des bombes, le serpent venimeux qui crée des attentats, les crapauds venimeux qui créent la désolation dans l'Afrique en centrale, précisément les trois Congo, les francs-maçons, les rosicréciens, les maïcaristes, toutes ces forces occultes qui ont l'impression de pouvoir diriger, en fait, ils sont dirigés maléfiquement par Jétan à partir de ces forces occultes dont ils ont leur chef, issus de l'Égypte antique, donc le serpent. Tous les exilés, je vous rassemblerai du milieu de tous les peuples étrangers et tous les lieux où je vous ai dispersés. L'Éternel le déclare pour vous ramener dans le pays où je vous ai déporté. Mais Tata Kimbangu Kiangani, merci Tata Kimbangu. Ça, c'est son oracle hier. Parce que 21, 51. 9. 21, 51. Le chiffre 9. Tata Kimbangu, ce corps-là, prisonnier, enfermé pendant 30 ans, dans une cellule qui mesure 1m80 sur 4m large. Ce corps-là reste sous terre pendant 9 ans. 9 ans, 9 ans s'il vous plaît. Entre 21 et 51 et à la date d'anniversaire de nous les médias. C'est pourquoi Tata Kimbangu nous appelle ses disciples. Hein? On est des porte-parole
On doit porter sa parole à travers le monde entier. Alors, ici au monde, il y a Congo, messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel, Mazumu, qui est mon titre d'ailleurs de travail, il y a Congo, en tant que média, qui, le média donc, le disciple de Tanaki Mangou, le 24 mars 1960, donc hier, il avait voulu nous renouveler. Il vient, il prend son corps, resté sous terre, il le ramène au Berkay, en Kamba, où il vient accomplir la prophétie d'Ézéchiel 37, mon collaborateur Ézéchiel, par le passé, qui a dit, je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux. Et en ce moment-là, si vous voulez bien, en prenant toujours mon support de travail, je dis, mais c'est mon support de travail, s'il vous plaît, Papa Kimbangu ici parle de la session de notre corps qui vient donc entrer en Kamba le 2, le 3 avril, en passant par Matadi Mayo. Et le chef d'État qui le prépare, mon collaborateur politique, parce que nous sommes des politiques, Papa Kisolokele prépare son fils, Mutamuntu Kasavubu, qui donne le pouvoir. Mais Papa Kunti Madiangenda dit, moi, je suis le patron, le chef spirituel. Le spirituel. Toi, c'est la politique. Allez, prenez-moi ce fiston-là. Kasavubu. Et les témoignages existent. Notre grand frère de la communication, notre aîné. Parce que c'est lui qui tient la caméra le 24 décembre, le 24 mars, s'il vous plaît. 1960. C'est lui qui tient, Papa Kalamvui, là. C'est lui qui tient la caméra. Et j'ai la fierté d'avoir l'un de ses fils dans notre groupe, le guitariste qui m'ont dit, qui Tata Kalamvui, là, qui nous là-bas, l'apparence pilote. Papa, il m'a montré les images dernier mot. D'ailleurs, regarde bien ces archives là, frangin, on aura besoin à l'occasion. Alors, Tata Kimbangu, il prend Tata Kalamvui là, donc Tata Kimbangu deuxième, hein, Papa Kunti Badiangenda. Il dit, prends-moi ces images là. Et là, le média qui est né. Le corps est rapatrié. Il passe par Matadi Mayo. Les dates arrivent, on va en parler d'ici là, parce que c'est les dates importantes que nous devons évoquer dans le cadre de la communication. Kasavubu, on dispose du pouvoir. Papa Kunti Badiangenda, ses collaborateurs immédiats à cette époque-là, parce que je vous dis que Papa Kunti Madiangenda, c'est la deuxième discussion de Patrick Mogimbangu, Dieu de cet esprit. Ils vont demander à sa mère, non mais, Papa Mangudelongo, nous travaillons avec ton fils. Mais Papa Mamakawanga, Nzaitani, les prévient. Attention, mon fils ne l'entraînait pas dans le mauvais emballage. Il prévient quoi? Parce qu'il sait qu'en ce moment-là, l'intellectualisme, l'intellect a pour confiance à son savoir égyptien. Mbiyangi Piti, j'ai étudié, j'ai bac plus 40, bac plus 60, je suis un intellect, tu dis que Dieu n'existe pas. Quoi? Bankwangangu bebanzanga, nzambi kenaniko, nsundi di bevavanga. Les intellectuels, mes chers amis, mais quelle intelligence faites-vous confiance? Celui qui inspire toute chose ou celui qui s'est approprié d'une certaine inspiration égyptienne? Ngipiti. Lucy Samavanga Mangipiti. Lukala Banabanza. Abandonnons les mauvais emballages. Ngudia Longo. Kakia Wanga première, parce qu'elle est deuxième ici. Hier, elle était en Allemagne, Ngudia Longo, mais sa première disposition. Kakia Wanga Nzitani, aujourd'hui, elle s'appelle Diangenda Marie Francina Lufinama Mwilu. C'est elle qui pilote l'Europe. Et oui, mes amis, elle pilote cette dame-là. Enfin, je ne veux pas parler de dame. Ngudia Longo, maman, si lèvre, cette maman-là, c'est elle. Elle a foulé le sol européen en 66. Eh oui, mes amis, on en a besoin d'en parler. Pourquoi elle est en vénérée? Pourquoi alors on la met en évidence, en exergue? Beaucoup l'ignorent. C'est pourquoi nous souffrons ici en Europe. Parce que l'Europe, c'est une dame. Hein? C'est la fille qui avait fui, que Cadmos, par l'écriture, est allée chercher en Europe, en traversant la mer Égée. Enfin, bref, mes amis, Ngudia Longo prévient à ses collaborateurs pour continuer à dire, attention, mon fils, ne l'amenez pas dans vos mauvaises dispositions là. Il prévient, elle prévient. Parce que c'est que ceux qui font confiance à leur capacité intellectuelle, entre guillemets, parce qu'ils ont un savoir, ils ont une science, mais une science dont Lucifer, Ngadiam Pemba, à partir de l'Égypte,
il s'est enorgueilli. Mais oui, mes amis, quand tu es universitaire, tu as un bac plus 40, tu oublies ce que tu es exactement. Tu deviens source de désolation. Mes amis, en tout cas, je ne vais pas prendre ton lendemain parce que le temps est parti, mais je vais vous laisser avant de continuer avec sa divinité. Parce que hier, son oracle, on aura l'occasion de parler. Je dis, moi ici, j'ai seulement évoqué notre date d'anniversaire du média kimonguiste. Le média kimonguiste est né hier. Aujourd'hui, on est jour J plus 1 de notre anniversaire. Le média, les médias Tata Kimbangu. Message, je dis bien média, je pèse le mot. Nous sommes ici que pour évoquer le bien, parce que le mal ne nous intéresse pas. On est des médias, on est messagers, M comme messager, E comme évangélisation, donc la bonne nouvelle. D comme divinement, donc Tata Kimbangu Kiangani, inspiré par les actions de ce qu'il fait lui, donc le kimbongisme, la nouvelle civilisation. Donc les actions de Tata Kimbangu. Ici donc, pour faire état de ce qui est Tata Kimbangu, je vous laisse en compagnie de mon Atata Nzuzi Bakisi, qui nous met à chaque fois à disposition. Merci Mvubu Nzuzi Bakisi, moi je l'appelle souvent Tata Lukubame. Pourquoi je l'appelle Tata Lukubame? Parce que c'est lui qui avait capté le cantique Lukubame, Lokola Kifwene, Lusimba Siku. Zola bisa lubia tata mwanda velela Ibia uiva ikise diambu. Oh diambu, diambu. Bia Tata Kimbangu Kiangani. Allons-y en Kamba s'il vous plaît, pour suivre sa divinité hier dans son oracle qui nous a dit à propos de nous les humains comment nous devons être en phase avec lui. Suivons donc sa divinité Tata Kimbangu Kiangani. Tout ça. Et ça, nous avons tout Jésus-Christ. Et sur la France, nous avons dit tout. Et on doit demander à Véléla, Bika Kalamayet, Tuka Kwayelenvu. C'est moi, et moi, à Véléla. Amen. Na comme tata, moi, na pe tata, moi, mon centre. Que l'on a qui m'a dit, il y a un tata, c'est l'on est à Téa qui bisso. A bandi la kina banze baba Yuda. A kena mi beko. Mi kandana hii ya suka to yoki to bomba to salila. Pona mukorwana to bika. Mati ina bisu to laneno très bien. Leki kitoko. Pesa bisu mayele. To salila nzambe na solo. Il est temps de me faire un petit sauter. Il est temps de me faire un petit sauter. Totonga Yerusalem. Tozali kotonga Yerusalem. Pona nini nanzela Yerusalem? Nanzela ya Nzambe lobiko ezali. Tobenga mibana botos. Kotosa leta, tokotosa lingomba. Tenge de la ville alobi na biso. Lelo. Le 24 mars, les alitates, mon congé à l'Ibosu, à Congo, Tata Kassavu, Batika Kabiso, dans 69. Dingue à l'Obiliango, les alibongo. Papa Kouloutou, papa qui sont l'okéré. Na âge à 7 ans à Kangami, à Kiwapil, Boma. Kuna, ba missionnaire, ba kutsi na classe. Kuna na classe, colonie. Ba mwanyon suna, mukonjou ya tikakabiso, bazagi kotanga kuna ba mwanyon su. Bazala qui n'a pas eu de remarques.
Israël a son indépendance. Après 10 ans. Yango et mon enquête, na 48, Israël a son indépendance. Na biso na 60. Moutouaza qui prépare Tata Kassavo. Avant, j'étais à papa, il m'a envoyé comme un encamp. Il y a quelqu'un qui a envoyé la beach, un gobila. Pour moi, j'étais à la Massoua, dans le monde de Kekuna, comme nous sommes les Kakuna de Yébiyan. Le 30 juin, le roi Bodoné a yaki. Kotchaye na kiti. Kosa indépendance. Là-dessus que, pour continuer, c'est où t'as un ensemble. Oye lobi nzambe et a wone kosala. Les lois à mon koloya pour kanisaye. Mon corps à ma bonne vie. L'obi n'a l'obac et les cambo on a l'obac et l'obi n'a vu réponse n'a pas l'obi n'a l'obac et boya 51-2021. Ok, on sa recherche. Les lotos qui n'a mon okoya de la ville. Jérémy à l'obi. Jérémy 29. Zoé la place ou la néo le bel. Na combo dans un tata, moi n'a pas tata molimo sante. Na lotumo ya tata molimo sante. Papa Simon qui manque à molimo sante. Tout le Jérémie 29, verset 12, kino 14, ou kino me kino na sekuna. Kuna balubi boye. Boye. Soki boye yi kobele langayi, peko sambe langayi, na koyo ke labino. Soki boluki ngayi, bokomona ngayi. Soki boluki ngayi na motema moko, na komimoni sepa na bino. Ngayi yawe, mutu na lobi boye. Na kumbwa tata, mwana pe, tata mulimu santu, amen. Pamate, tata mfuma longa, ye pisaka biso di kambu wano. Toza la kanabiso mosikate. Tango bengi, ngana zana bino. Mobeli, toza la nabino. Nola kia wana, 88. Suite au lundi, où il aura mis 51-2021, car les sambos à l'année n'est toujours pas sale. Autre tiki bambo cannabiso, autre tiki misala,
totiki makambo nyonso lelo tuza kotonga mise tango tokosilisa tokosalela nini entre temps tokobenga bango bakozwana biso elongo mais réponse na biso ezali pour ceux qui tobengi bakozwana na biso yangwana tosala makasi pe lobi nalobaki yango liboso babelaka na kola tobebisaki mpasi yeli biso tobosanaki nzambe mais biso toyebiki na mize tokobosana nzambe na biso te tokobelela mpe tokobenga merci tata de la ville nalobaki kaka 51-2021 lelo azali recherche na ye na bible akei komona esika wana biso nyonso tolali toyoki zala na esengo na mosala oyo tozali kosala biso tokobenga bango mpe bakoboya te manso mautaka na tata nzambe biso kaka nde tokosala makasi toyebi ke lelo eza mokolo ya yenga soki tobimi ndako ya nzambe tokomi na tribune mosala nde tokosala mpo kaka etali mpona kotonga tokokisa bokano na nyonso nzambe aza koloba na biso mpo lobiko emona na kati na biso na 21 papa kimbango alobi ete oyo ezalaki na gauche ekomi na droite oyo ezalaki na droite ekomi na gauche tata mfuma mba nzambe atika biso azongeli ekambo wana oyo eza na gauche ekomi na droite oyo ezalaki na droite ekomi na gauche seke likambo ezali bato ozokende moto mwindu akosepela mipepe ya mabe nyonso elongo mpo ekimia eyekati na biso tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata mwali mosantu amen bika twatonda nsikulusu za sedi eto tata mwanda velela mukumbu tatu avelela mukumbu ase ye mwana ye tata mwanda vele. Voilà mes amis, donc c'était l'oracle de sa divinité hier dans le centre de Nkamba pour vous signifier que ce qui était à gauche est allé à droite. Ndombe sika kituka mundele. Mundele sika kituka ndombe. Dieu a parlé. Le Tout-Puissant, Nkwatulendo, l'Esprit de vérité. Mes amis, je vous invite à approfondir cet oracle de cette divinité. Parce qu'il a bien dit, ce qui est à gauche est allé à droite. Ce qui est à droite est allé à gauche. Ce que nous invoquons, moi c'est un politique. La politique modèle qui se loquelle, je dis bien. Je sais dire Congo, un homme politique dans le cadre des 3P, 2SP. Le pouvoir spirituel, donc Nkamba, le pouvoir scientifique, Pakundungu, Yepelekete, et le pouvoir politique, Tata Kisokelo Charles. C'est lui notre modèle politique. Parce que, dans le cadre du centre des enfants de Dieu, issus d'Afrique, pour le Congo unifié, l'acte de Berlin, on est pris là-bas. Nous, on est les Congo. Ce que Dieu a voulu au départ, parce que Tata Kimbangu vient pour restaurer l'humanité dans son état premier, les Bantous, Beto Bantou, Bantou, Yibandombe, Ba Congo, 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 Angola, Yintou, Tata Kimbangu, Congo RDC, Yivumugandi, l'abdomen, Yemalomanie, Kunambanza Kimbangu, ex-Brazzaville. Parce que ce nom-là, le calfeutier des francs-maçons-là, aura mis hors d'état de nuire, autant fixé,
par ses divinités. Et là, je voulais rendre ici merci à Papa Ndouzi Bakissi de nous disposer ces images-là et à notre coordonnateur ici en France, à la Ratelki, Papa Diaka Ntiampa Makomimo Lambert, et tous mes collaborateurs de la Ratelki ici en France, Papa Prof Malonga Distingué et les autres dont j'oublie, vous excuserez. En tout cas, une fois de plus, merci pour votre attention. C'était le Mediaki de ce jour. Le 20 de Koundi Kanene, l'an 2019. Le thème d'un parti, je reprends les poissons mécuniaires, c'était le Mediaki. J'ai qui? Eh bien, t'es bien. Toza, c'est le verbe avoir. J'ai qui? Mais moi, j'ai sa divinité. Tata, Kimbangu, Kuntima, Kengani. J'ai qui? Tata, Kimbangu, Kuntima, Kengani. Buena diambu, Bweka diambu. Comme c'était et comme ce sera. Dia Kongo, comment ça demande? Fokole, c'est mon nom.